Adam wax na la ba tayé na nga baye di and ak mom wayula Mitiri Diop présent Am Sambaké présent Adama Ndjay présent Ali Fall Mansour Bey Djibi Thiaw Dédé Si Lamine Ndoy présent tournoi bi li ngeen gis feulé muy tégué muy coupe bi bal bek la fa ne yeb ngeen gis han waji moko tek football na france 10 ans football na équipe nationale cameroun tamit kon bu ñewé ba poule fi kon lolu ñun dañ cey wara sante du non légui nak mom dina waxal bopam ngeen deg mais avant muy wax xam nga fa mu lire ma deg dal acca Merci d'être venu. Ben, que le meilleur gagne. Ouais. Allez, bonne chance à tous. Liverpool. Ça, c'est la coupe du meilleur joueur. J'ai vu des qualités. Il y a moyen de parler à tes parents? C'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. Comment tu t'appelles? Mitri. Enchanté. Merci.
Vous savez, on dépense énormément d'argent sur les jeunes joueurs. Pour les hébergements, les assurances, l'hôtel, la nourriture. Tout ça, là, ça nous coûte très, très cher. Mmh. Donc, on demande souvent aux familles s'ils peuvent contribuer à hauteur de 5 millions de francs CFA. 5 millions? Ça, je ne l'ai pas, monsieur. Je ne peux pas. C'est de l'investissement. Après, vous allez toucher un jackpot. Je ne vous promets pas que dès qu'il va arriver, on va lui faire signer des sommes énormes. Mais une chose est sûre, il commencera au moins entre 30 et 50 000 euros. Vous comprenez? Non, laissez-moi le temps de réfléchir. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci. Je suis un peu plus de temps. Yo da sama ak yoy yow ha dafa am sans ou dem rek waye teki wu fa ñaar deureum sama ak yoy wax do maam am du na ñew seen ka di am gatcha waay gëti way boy hey gëti way boy waay dewat do midir di nga xam bo démé faraat bo xifé ku lay jox nga lek bazar boy gën ko ko lu mu def ka ci ko xam ñoo jotaay fi ané boy légui dal ma dem hôpital ñu laaj ma ay radio ay analyse ak lu kenn xamul té man yoruma ah fim ne ni manena la wo wax la ko boma ci mané dimbalé dal wa waye nak yeen rek ka ma mëna jappalé lu may def wax nga deug ah wa wax na yalla bax na fim ne ni mom xeyna lolo gën dal wa jërëjëf metri man nak jaxlena wotena lu ne def nak bu don sama sago nga def abna bëgg na nga dem waye nak yalla bu ko tuddul mënuma ci dara lu yalla def mom xeyna lolu mo gën mam xaliss mom dañ koy out fu lu koy wuté fan la koy wuté metri fan dama lay laaj fan la koy wuté lima wut kay ku téléphoné di ab di wut fu ne kay metri lo bëgg ma def wa dañ jaay tol bi duma ko jaay toujours ma wax lako buma waxati waxu tol bi ci la lay dundale ba nga day ni bu ñoré ci lay dundu man buma ko jaayé lumay def way buma démé ñew doto jaay ay mango té worul lolu duma ci dugg té buma ko waxati affaire tol bi mom buma ci waxati waxam duma ko jaay tay duma ko jaay ëlëk waxna la ko nak buma waxati waxu tol bi wa déggal lima la wax mama buma togué fi la la fi ya xam yon néw ci ci mbiru mitri mi mom dal dem rek la gis fokh na ni mom fim ne ma nga fofu ma nga fa yagna ah mama nak loy xaar ci lolou yalla ubbin na la sey beut ba andi la xewal gi
Nous avons fait des choses pour nous aider. Maman Khadim, je suis dit que mais suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit millions je suis dit que 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 millions suis dit que je 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 suis dit que Man fond de caisse bi la soxlo won fond de caisse ta xadi fond de caisse mo xanté wu ko ta xadi mais camerouné bo bu jëlé mitir yobbu ko france tay yow li nga bëgg soti lo def ak ñu xaliss jamm lolu de jamm bu ko xalaat sama set bi ci loxo yu wor la ka tek bu sobé yalla gënant bi sama xaliss bu bu sama set bi démé ba é ba jox damay ñew fay len ko sama set duñ ko singel ñenti at contrat 4 semaines yi dinañ ko ci fay 50 000 euros ndax rusna ëlëk may jakarlo ñi ma jox xaaliss bi yépp ñu may xolé bëtt ni ki lek na suñu xaaliss loolu man duma ko def jëm war ngeen ma xam yeen ma leen jaboté ah yeen na yeen deg deg ngeen limu wax né kon da ko ngeen jël fon caisse jox ko ko natwa jara ngeen jëf jara jëf lég bu ñu rappelé par mo ñu xaaliss jox ko tan xadi né na comme wax bi jeex na jantul guddal nañ leen rappel ñeen parce que fa guddi dañu yakamti aw jaal demal taw da fay numéro 2 Kumba Sembène wajjo mbay day aram djou adi soare Kumba Jabatu Binta Sek ami djou ami Cissé Payen doon ñet fukki jooni fuk ak ben fuk ak ñet fuk ak ñent ñaata mestre wallahi yalla yobona gor gor te xamna yow xam nga li nga baye sa ginnaw ak yow yaay kan nit ki da ngay sam sa ngor sam la nga doon te xamna yaangi dem xawma dina la gisati am det may sa mam fexel ba mitri li mala wax nga def ko
am li bo démé nang koy tak waxtu woko takké nga xalaat ma nga di sama mam momako joxone né li da moy daf may sam may ay ñaanal nga dem ci jamm delu ci jamm na la Avec les quatre. Vous pouvez me donner vos passeports, s'il vous plaît? Si. 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 Et vous allez où? À Paris. Allez vérifier ça au poste. Je ne vais pas. Prenez ma place, s'il vous plaît. Suivez mon collègue là-bas. C'est eux, les cinq qui arrivent de Dakar, là? Les passeports sont bons? Ouais. Les passeports sont bons. Les visas aussi. Les visas professionnels. Vous venez en France, pourquoi? On est là pour faire des tests de foot. Ok, ouais. Vous avez une invitation? Une attestation? Vous vous connaissez, tous les cinq, là? Non. Non. Aucun. Vous voyagez ensemble et vous ne vous connaissez pas. Faites aussi vu à l'aéroport de Dakar. Donc là, il y a les billets retour pour les cinq. Mais il n'y a que trois invitations. Issa Sibi? Oui. Djibril Niang? Oui. Abdou Doucouré? Oui. Pour vous deux, là, il n'y a pas d'attestation. Quelqu'un qui vous attend, vous y allez comment? Il y a un agent qui nous attend en bas. Ok. Comment il s'appelle, l'agent? Non, je ne sais pas son nom. Tu peux aller voir si on le trouve, cet agent? Ouais. Bon, vous restez là. Pujol. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'agent des jeunes, non? Oui, c'est ça. Vous avez une carte professionnelle, s'il vous plaît? Faire une copie de ça? Attendez, c'est quoi le problème? Bon, j'ai l'habitude de faire voyager les joueurs. Il manque quelques documents, quand même. Dans quel club ils sont attendus pour les essais? PSG. PSG, cette semaine, et du 15 au 23, on sera au CERN. Ils vont au PSG, tous, là. Tous les cinq, là, ils vont au PSG. Alors, comment ça se fait qu'il manque les attestations des deux petits? En fait, j'ai eu l'accord de principe de l'AS Paris. Puis je les ai fait voyager tous ensemble parce que ça me coûte moins cher. Bon, les trois premiers, ils rentrent, y a pas de problème. Mais pour les deux autres, moi, tant que j'ai pas l'attestation du club, ils rentrent pas. Eh ben, je vais appeler ma secrétaire et puis elle va vous faxer ça dans l'heure qui vient. Ouais.
Vous savez que faire entrer quelqu'un illégalement sur le territoire, c'est un délit, surtout si c'est un mineur. Oui. Donc là, on va attendre les attestations, et puis si elles n'arrivent pas dans l'heure, monsieur, ben, vous risquez la garde à vue. Vous avez un téléphone. Je vous remercie. C'est quoi, c'est les gamins? Je n'ai pas le droit de prendre de mineurs. C'est interdit, tu le sais très bien, connard. En plus, tu les envoies sans invitation au club. Ah, on était beau au poste tout à l'heure. Putain, j'aurais pas eu un pote à la S Paris. J'étais en garde à vue. En garde à vue, carrément. Et tes mots, ils seraient déjà dans l'avion. Tu leur as pris du pognon au porte... Hein? Mais t'as pris du pognon, tu crois que je ne sais pas? Et alors, t'es en train de te gaver, moi je mange ta merde? Ils jouent à quel poste, les deux petits? Hein? Eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je me démerde! Je vais essayer d'arranger ça! Mais tu me refais jamais un coup pareil, hein? Allez, merde! Et les gamins, gardez sur votre gauche. Il y a un match ce soir. Bon, là, il y a un plumard. Là, il y a une chambre avec deux lits. Là, c'est la cuisine. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Une plaque chauffante, il y a un peu de bouffe dans le frigo. Salle de bain. Bon, les gars, je vais pas pouvoir rester avec vous ce soir parce que j'ai des trucs à faire. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. À demain. Maman, le gars, m'a arrêté de faire. On m'a arrêté de signer avec lui. Il me fallait ni t'aider. T'as de l'insu souffle? Je le dirais. Salut les gars. Ça va, mon grand? Allez, prépare-toi, là, c'est le grand jour. Vite! Allez, allez! Ça va, toi? Va vite chercher les affaires. On y va! Allez, dépêche-toi. N'oublie pas tes godasses de foot. Vous, vous restez là. Vous êtes en vacances jusqu'à demain. Profitez-en. Restez tranquille, reposez-vous. Mais monsieur, moi, je suis pas fatigué. Je peux faire les essais. Aujourd'hui, c'est les grands. Je vous ai mis un peu de bouffe dans le frigo. Et une surprise. Allez, à demain! Allez, sors. Fi xamni sax fa lañu mëna jullé. Yannef, ça va? Oui, ça va. C'est
toi l'attaquant? Oui, c'est moi. Ben ramasse tes affaires, je t'ai trouvé un truc. Oui, d'accord. Hé hey. Prends ça. Merci. Non, tout doux. Maître Diop. C'est un nom de champion, ça? Ouais. Tu sais, je sais pas ce qu'ils foutent là, ils devraient être là. Je vais aller voir à l'intérieur. Allez, continue, je reviens. Hein. D'accord. Oh! Et réveille-toi là. Réveille-toi, je te dis. Allez. Qu'est-ce que tu fous ici? Comment t'es rentré? Je suis là pour faire des essais. Des essais? Y a pas d'essais ici. Hein. Allez, bouge, bouge. Il va arriver là, il va me casser la tête. Sors. Allez. Prends ton sac là. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi, hein, je te dis. Sénégal.
qu'est-ce que tu veux? Je vais appeler. Je vais appeler, tiens. Prends la ligne. Je vais appeler au Sénégal, mais j'ai pas d'argent. Hey, tu n'as pas d'argent et puis j'ai qu'à faire quoi? Oh, même si tu savais mes problèmes, j'ai plus de 4400 personnes à nourrir dans mon pays là. Donc mon petit, va travailler comme tous tes copains. Oh, mais toi tu es joyeux quand même. Hein. Tu crois qu'on chie l'argent ici à Paris? Donne-moi. Va appeler. Merci beaucoup. Faut pas durer, hein. Sénégal, parle beaucoup là-bas. Manche Diam, ça va? Manche Diam, Kay? Je suis en train de faire une semaine et signer un contrat. Je suis en train de faire un trop. Je suis en train de faire un peu de crédit. Je suis en train de faire un peu de crédit. Je suis en train de faire un peu de Mais y'a quoi? Tu as un problème au pays ou quoi? Mais pourquoi tu es fâché comme ça alors? J'ai faim. Tu as faim? Tu n'as pas mangé? Non. Depuis combien de temps tu n'as pas mangé? 4 jours. 4 jours sans manger? Tiens! Hey là, tu n'as pas de famille ici ou quoi? Ah. Bonjour, ça va? Hey. Viens, viens, je vais remplir les petits, petits oiseaux là. C'est le petit là que j'ai amené. Tu veux manger quoi? Tiens, non? Hein? Donne-moi, tiens. Tu manges poulet, non? De toute façon, tu manges tout. Tu as faim. Quand on a faim, on mange tout. Tu vas bien manger, hein? Là, il y a les couchettes. Si tu veux de l'eau, voilà, là. Il y a 40 devant. Tu veux piment? Non, non, c'est bon. Tu aimes le piment? C'est bon. Oh, mais petit, c'est pas du sel, hein? Tu n'as pas mangé chez toi, là? Tu n'as plus mangé dans ta sauce. Ousmane, putain, ça va être ça. Depuis 17h, on cherche une chambre pour le petit. Que 2 nuits, c'est tout. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé le petit. Et je te dis, 2 nuits. Comme si tu n'as pas un peu souffert. Ok, c'est pas grave. Ah, il est gentil. Il est gentil. Dieu va t'aider. Mitri, bon, tu vas dormir ici, hein. D'accord? Hein? Pour moi, je vais y aller. On se dit à demain. Eh hey, Fatou. Oui. Y a pas moyen de dormir chez toi? Non. Chez moi c'est trop petit. Et puis mon mari il est fatigué, vraiment. Mais ton mari si il est fatigué, moi je suis pas fatigué. Hein. Je veux dormir avec toi. Oui. Toi comme tu es rassasié, tu peux me parler comme ça. Tu as bien mangé de riz, hein? Là tes yeux là ça brille, pra comme ça. Hein? Bon. À demain, petit voyou. Ouais, à demain. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis assistante sociale. Non, faut pas avoir peur, hein, je suis pas de la police. Mais faut pas t'inquiéter, il y a pas la police, il y a déjà vu la police. Ça n'existe pas la police. Non, non, je suis là pour ton bien. Dis-moi, Mitri, t'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans? Et est-ce que t'as de la famille en France? Non. Personne?
Bah, écoute, moi, je suis là pour essayer de t'aider, donc on va trouver une solution pour toi. Est-ce que t'as des affaires? Oui, ils sont en haut. En haut? Alors, il faudrait que t'ailles les chercher, puis que tu viennes avec moi, tu vas me suivre. Faut pas t'inquiéter du tout, mon petit. Elle est là que pour t'aider. Tu as compris? Merci, Fatou. Fais-moi confiance. Allez, viens, viens, Vitry. Hein? Merci. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Vitry, ça va aller, hein? Faut pas t'inquiéter. OK. C'est très bien. Est-ce que quand tu étais plus petit, tu as eu des maladies graves? Ah, je m'en souviens plus. Tu t'en souviens plus? Donc tu n'as rien eu de grave? Tu n'es jamais allé à l'hôpital? Si. Pour quelle raison? Oui, j'avais diarrhée. Tu avais des diarrhées? Et ça s'est guéri? Oui, oui. Ces derniers jours, tu n'as pas eu de diarrhée? Non. Ouvre la bouche. Tu n'as pas de problème avec les dents? Non. Elles ont l'air, elles, à peu près en bon état. Est-ce que tu as compris que le football s'était râpé pour l'instant? Non. Non quoi? Tu as toujours en tête de vouloir être footballeur? C'est ton droit le plus absolu. Le problème, c'est la réalité. La réalité, c'est que pour être footballeur en France, lorsqu'on a 16 ans, il faut un contrat, passer avec un club qui assume ta formation. Et pour l'instant, tu n'as pas ce contrat. Est-ce que tu sais combien il y a de footballeurs professionnels qui vivent en France? Du football, tu sais pas. Moins de 2000. Il faut être très très fort. Donc t'es peut-être fort pour l'Afrique, mais t'es peut-être pas très très fort pour jouer dans un club professionnel. Ok. Alors, une fois qu'on en est là, le problème pour toi, c'est de savoir ce que tu vas devenir. Bon, tu veux rester en France. Il s'avère que tu as le droit de rester en France. T'as moins de 18 ans, donc t'es pas expulsable. Alors maintenant, sur ton projet... J'ai compris qu'il y avait un foyer en province. Je ne peux plus souvenir où vous aviez trouvé. À Montbéliard. Donc il y a un foyer qui peut l'accueillir. Mmh. Donc dès que tu y seras, tu feras des tests d'orientation professionnelle. Tu n'as aucune inquiétude à avoir jusqu'à tes 18 ans, donc tu es hébergé. Tu formes ce projet professionnel. D'ici là, avec l'aide de l'aide sociale, on va essayer de te régulariser. Et on t'aide jusqu'à 21 ans. Mais n'oublie pas, 21 ans, on est obligé de te lâcher. Donc il faut que tu sois autonome. Tu as compris? Oui, c'est clair. C'est clair. Ok, allez, on en reste là. Merci, monsieur le juge. Table 6, table 5, j'ai 6, 4 amuse-bouches, j'ai 2 amuse-bouches. Allô, chef, Zanos, table numéro 1, découvert. Potage cultivateur, poursuivre. Poursuivre. Deux poulets sautés chasseurs. Poursuivre. Garniture, purée de pommes de terre, courgettes tournées. Poursuivre, poulet de chasseur. Poursuivre, purée de pommes de terre. Poursuivre. Pas poursuivre, la purée de pommes de terre, c'est la garniture du poulet chasseur. Oh, regarde-moi. T'as envie d'être serveur? Tu veux en faire ton métier plus tard? Alors faut y aller, faut donner de l'envie. Ok? Ouais. C'est pas ouais? Ouais. C'est oui, chef. Oui, chef. Voilà. Allez, passe-moi le bon. Donc là, il faut qu'on se dépêche parce qu'on a à 3h, on a fini. Hein, faut qu'on se dépêche. Et Jonathan aussi. Oui. Si t'as 5 minutes, tu ramènes la vaisselle propre. Madame. Faut pas les essuyer, les Vous avez bien joué, Célib. Ouais. Faites circuler, là, parlez-vous, Anthony, c'est bien. Mais je sens excellent.
Largeur, profondeur. Monsieur, je peux jouer ici, s'il te plaît. Les inscriptions sont en septembre. Oui, Kendrick, montre-toi. Monsieur, laisse-moi jouer, s'il te plaît. Et tu vois pas qu'on est en entraînement, là? Change. Oui, bien joué, Pontus. Allez, vers l'avant. Ah, tu dis quoi? Je vais jouer. Allez, va prendre la chasuble. Tu joues avec ceux qui ont le ballon. On va voir combien de temps tu peux courir comme ça. Hé, gars, ça joue! Fais gaffe à pas te planter avec tes pompes, là! L'entraînement, c'est tous les mardis, 18-20h. Tu me ramènes ça pour la semaine prochaine. Il me faudra 65 euros pour la licence. D'accord. T'as des crampons? Oui. Ben, c'est bon à mardi, alors. Merci, monsieur. Alors, t'es bien installé? Oui. Tu décores pas ta chambre? Non. Bah ben, pourquoi? C'est dommage. Bon, ça va. Pourquoi tu mets pas des tissus? Vous avez tellement belles couleurs en Afrique. Bon alors, ça se passe bien? Madame, moi je veux plus vivre ici. Ce foyer est là. Je veux plus rester là. Bon, pourquoi tu as fait connaissance avec tes voisins? Mes voisins? À côté là. Il y a un vieux, tout le temps il est sous. Il crie la nuit, il m'empêche de dormir. C'est monsieur Bourquin. L'immeuble, les gens me dérangent, ils me fatiguent. Ils parlent beaucoup. Les gens sont moches. Les vieux sont moches. Les femmes sont très dégueulasses. Dégueulasse, merci. Et l'école, ça te plaît? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as amené dans ce foyer de merde-là, qui m'as laissé ici. Mitri, oh, tu t'arrêtes, hein? Tu es arrivé avec un rêve. Quelqu'un t'a raconté une belle histoire, mais la réalité de la vie est bien plus cruelle. Moi, je sais pourquoi tu ne veux pas m'aider. Parce que je suis sénégalais. Mais si c'était un Français en train de pourrir là, tu vas l'aider. Ah non, ça on peut pas me traiter de raciste. Moi je connais très bien l'Afrique. Je fais même de la danse africaine. Alors. Moi j'ai trouvé mon activité. Ah bon? T'as fait vite, c'est bien. Et qu'est-ce que t'as choisi? Football. Bah écoute, c'est bien, on va te payer l'inscription. Il faut me payer des chaussures. Allez, tête sudale ! Allez, la tête sudale, allez, vas-y, allez ! Montrez-vous dans les intervalles ! Allez, vas-y, allez ! Allez, tête sudale, allez ! Vers l'avant ! Allez, sortez sur le porteur ! Anthony, sortez-vous, allez ! Parlez-vous ! Monte, Anthony, monte Anthony, marque-le, le 7, marque-le, sur le ballon. Je vais. Allez, mon vieux, sinon tu passes pas, hein. Allez, tu passes pas. Tire, Anthony. Allez. Vas-y. Allez, donne. Anthony, lâche le ballon. Oh. Ah oui, lâche le ballon, hein. Anthony, merde. Hey, tu joues pas tout seul, hein, gosse, hein. C'est l'arbitre. Anthony, tu sors. Mitré, tu rentres. Ok, les gars, remplacez. Allez, vas-y. C'est quoi cette affaire? Je sais pas. Allez, les petits. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu le fais sortir, là? Il est fatigué. Fatigué, Anthony? Non, je suis pas fatigué. Alors? Il a besoin de sortir, c'est moi qui décide, point final. Ah ouais? Sortez sur le porteur!
Tu comptes sur qui pour marquer? Il y a plus qui joue, tu vois pas? Et c'est qui l'entraîneur, toi ou moi? Ça va, c'est bon, on va pas s'engueuler. Hey, tu vas pas la douche là? Je vais me doucher chez moi. Je suis pas chez toi, je vais pas te doucher. Crasseux. Hey, Slimane! C'est quoi ce bordel? Oh Slimane, tu m'écoutes ou quoi? Allez, dans 10 minutes, tout le monde dehors. Oh, Mitri! Ouais? Il y a téléphone pour toi, ça vient du Sénégal. Hey, Youssef! Ouais? Dis-lui, je suis pas là. Ok. Ça n'a pas entendu entrer. Toujours pas acheté de liquide vaisselle? Ah oui, merde. Ça va? Bah c'est ça, vas-y. Fais comme si de rien n'était. C'est encore mal entraîneur, non? Comme ce super-U, là, avec son pognon. C'est pas parce que c'est lui qui paye les maillots qu'il peut se permettre de me dire ce que je dois faire. Eh ben, c'est pas une raison pour lui parler comme tu fais. Hein? À chaque fois, on a l'impression que tu vas lui sauter à la gorge. Franchement, tu pouvais faire sortir quelqu'un d'autre. Vous voulez faire l'entraînement à ma place? Non, non, je voudrais juste que t'arrêtes d'agresser tout le monde quand on te fait une remarque. C'est qui, ce nouveau? Tu l'as dégoté où? Sorti du bois. Mais il est du coin? Je crois pas, il crée son foyer. Il joue bien? Si. C'est beau de le regarder jouer. On devrait l'inviter au mariage. Pourquoi faire? Je sais pas, pour qu'il rencontre des gens, qu'il se fasse des copains. Il connaît déjà Anthony, non? Tu vas inviter un gamin qu'on connaît pas juste parce qu'il est noir et qu'il crève de faim. Il a pas de mousse au coin des yeux, hein? Que débrouille-toi, trouve-lui des fringues. Mais... En tout cas, moi je l'invite et c'est moi qui décide. Allez, salut vieil ours. Je repasse jeudi. Hmm? Thank you.
t'intéresser, ça. Ah, monsieur, c'est toi, là. Mm-hmm. Tu as joué avec Maradona. Contre Maradona. Et monsieur, tu joues où? Ici à Sochaux. Sochaux, championnat de France. Tu as joué là-bas. Mm-hmm. Et donc, monsieur, toi, tu es joueur professionnel? Enfin, il y a longtemps. Eh, hey, monsieur, ta clavarde là, elle est magnifique. Merci, c'est gentil, je vais le faire. Hey, monsieur, toi, si tu parles avec le directeur, il va me laisser faire des essais. Alors, attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que t'as poussé un petit peu le ballon au bled qu'il faut croire que c'est arrivé. T'as pas le niveau, mon gars. Mais monsieur, moi, je t'ai rien fait. Moi, je parle avec toi correctement. Peut-être moi, je vais pas compter sur moi pour y parler avec ces connards. Alors, file ta chemise, on va pas camper là. Donc, monsieur, ça veut dire si on va à la finale, il y aura des détecteurs? Ah oui, dis-lui. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Pourquoi tu fous de la merde dans la tête? C'est pas vrai, ils viennent pas repérer à la finale? On n'est pas rendu en finale. Ah, qu'est-ce que t'en sais d'abord? Qui vient? Ah, bah, c'est bon. Allez, viens, on va danser avec les jeunes, s'amuser. Je suis dans la paix!
Serge, arrête, c'est pas possible ça. Tu vas sortir. Viens là. Ça suffit ton frangin là. Tu peux pas t'en faire. Ça fait 20 ans. Allez, donne-moi tes clés. Tu donnes tes clés, Serge. Dormir là-haut. Tiens, sucre, si tu veux. Tu manges pas? Si. Ma vie est là 120 euros, dingue. 70 000 francs CFA là. Ah, maman, tu sais, si tu signes un contrat pour que tu développes le cas, tu n'as pas de problème. 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 Charlène, tu vas venir au tableau, s'il te plaît. Alors, la terre d'Abraham, est-ce que vous pouvez l'aider? Abraham, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben, un pote à Jésus, il s'appelle Abraham. Un pote à Jésus. Continue. Un pote à Jésus. Van Gogh, ben ça, ben j'avais déjà marqué. Van Gogh, c'est le pote au truc du Louvre. C'est ça? Est-ce que vous connaissez... Amsterdam, c'est pas loin, il y a du un douche. Tableau, Charlène, est-ce que tu connais un tableau? Est-ce que tu connais un tableau de Van Gogh? Un tableau très célèbre, c'est un autoportrait. La Joconde! La Joconde! Monte.
Je vais être sympa, mais faudrait pas non plus me prendre pour un con. Espagnol, tu vas me le rendre. Qu'est-ce que tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Que ça me tombe du ciel? Je m'en fous que tu l'aies déjà dépensé ou quoi, ça me regarde pas, tu te démerdes, tu me le rends. Et puis les entraînements, les matchs, tout ça, tu peux faire une croix dessus. Quoi? Ça veut dire que je vais pas jouer la finale. La finale? Quelle finale? La finale avec les détecteurs du FC Sechaux. Exactement. Ça veut dire que tu joueras plus rien du tout. Fallait y penser avant. Allez, débarque. Bonjour. 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 Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi, je voudrais passer des essais ici. Oula, on peut pas faire des essais comme ça chez nous. Vous jouez où? Nulle part? Non. Alors, il faut d'abord vous inscrire dans un club, parce que chez nous, vous inscrivez dans un club, nos recruteurs vont voir les matchs. S'ils vous trouvent suffisamment bon, ils vous feront venir pour faire un essai au centre. Tu sais, madame, quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait une histoire. Elle me disait souvent que c'est les jolies femmes qui aident les gens. Et madame, toi, tu es très belle. Je te trouve formidable. Non, mais c'est gentil tout ça, mais ça change rien à ce que je vous explique. Si tu me laisses jouer avec les chocholis, je vais te payer ton mariage. Je vais t'acheter une jolie robe. Je vais t'acheter tous les accessoires femmes. Je te le jure. Oui, non, mais vous êtes amusant, mais c'est pas possible. Je vous explique juste comment nous, on fonctionne. Eh, madame, toi, tu es assis ici, tu sais qu'attraper ton ordinateur et dis les gens non. Si c'était ton fils, tu vas l'aider à faire des essais. Madame, toi, tu es très méchante. Non, mais attendez, attendez, vous exagérez là. Je suis pas méchante, je suis en train de vous expliquer comment ça marche. Il fait pas l'entraînement, le petit Sénégalais? Petit Sénégalais, comme tu dis, il m'a fait les poches le soir de ton mariage. Il m'a piqué 120 euros que je reverrai jamais. Merde. Je m'en vais se faire voir ailleurs. Mais tu vas le laisser revenir? Ben non, ça lui fera les pieds. Ah mais Serge, il pense qu'à jouer au foot, il a que ça dans la vie, tu vas pas lui enlever pour 100 euros. 120. C'est un gamin. Et alors, les temps qu'il apprenne. Tu t'arranges vraiment pas en vieillissant. Tu sais quoi? Si t'étais un mec sympa, non seulement tu le laisserais revenir, mais en plus tu l'aiderais à rentrer à Sochaux. Ah, je sais pas, c'est pas compliqué. Tu veux pas demander à tes anciens collègues de regarder un gamin jouer, c'est ça? Ah oui, en fait, ça t'arracherait la gueule de leur demander un service? Alors voilà, parce que toi, t'as merdé, il faut que tout le monde merde?
Qu'est-ce que tu fous? Tu veux attraper la mort? Ça fait combien? 12. Pas mal. Tu viens à l'entraînement mardi? J'ai pas l'argent. On le rendra plus tard. Merci. Ne me remercie pas. Je sais pas, ça pourrait être sympa, c'est purement intéressé. Pour une fois qu'on va en demi-finale, je serais pas me prendre une branlée. À la mardi. H24 dans les halls, tous les mois ça change d'adresse. J'ai N308 police, on connaît toutes les questions. Des bonhommes sur le rinté, y'a pas de délicatesse. Mets des tempêtes au cœur, comme volter sa vitesse. La première à la sixième, sur ma boîte de vitesse. Prends un main et fâché, me taperai une hôtesse. Y'a pas de politesse, je soulevais que tes fesses. J'ai la grosse dynamite qui fera péter ta forteresse. Couverture. À quel monde d'accro? Selim, presse. Très bien. Bien joué, Mitri. Mitri, joue dans la mort. Allez. Attention, les gars. Ramène. Vas-y, passe. Lâche le ballon. Ouais, Mitri. Lâche le ballon. Passe. Mitri. Passe. Voilà. Lâche le ballon. Mais passe, bordel. Il joue tout seul, quoi, c'est chiant. Oh, Mitri, tu te dégages, c'est Anthony qui tire le coup franc. Au coup de sifflet, s'il vous plaît. Oui, Mitri. Tu veux jouer tout seul, je t'achèterai un ballon. Allez, mais petit coup. Etienne, le 7. C'est bien, on continue comme ça, on est bien en place. Et faites jouer le porteur. C'est bien. Attention, on est en retard sur l'appui soutien. Kendrick, prends le joueur lancé. On revient. Faites le fort. Sors sur le porteur. On se replace. Gaffe au deuxième poteau. On Bon, pendant 35 minutes, on a joué au foot. Et après les 10 dernières minutes, on ne fait que de la merde. Alors quoi, parce qu'on mène 1-0, on se prend les roues du pétrole? Hein, qu'est-ce que vous croyez? On est en match. On n'a pas le droit de se relâcher, jamais. Alors, il y a deux solutions. Soit on se laisse marcher dessus, on oublie la finale, soit on leur montre qu'on en a dans le slip.
Il reste 45 minutes pour faire la différence. La balle est dans votre camp. Sortez, les gars, sortez! Salut, champion. Salut. Dimitri ? Ouais. Ça va ? Oui, ça va. Tu rappelles le Sénégal ? Oui, je vais appeler demain. Non, non, maintenant, c'est urgent. Et moi, monsieur, j'ai pas de carte de téléphone. C'est pas grave, tu peux appeler depuis mon bureau. Oui, si tu veux. Eh bien. Bah, Warni. Oui, ça va? Écoute, si tu veux rentrer pour l'enterrement de ta grand-mère, je sais pas, je peux voir si on peut pas trouver l'argent du billet. Je veux pas aller au Sénégal. Ben pourquoi, t'as pas envie d'être avec ta famille? Quelle famille? Je sais pas, moi. Quoi? Toi, tu comprends rien du tout. Ma grand-mère a emprunté de l'argent. Pourquoi je vais jouer en France? Si je retourne au Sénégal, tout le monde me regarde comme ça. Comme ça. Et me dit, ta grand-mère me devait cette somme-là. Comment je peux payer cette somme?
ce que j'y fasse, moi. Moi, je n'ai rien à foutre de ton billet d'avion. Tu veux m'aider? Aide-moi à devenir joueur de foot. Une fois professionnel, je pourrais payer la dette de ma grand-mère. Salut Marcel. Comment suis-je? Ça va. Je vais montrer l'usine aux gamins. Ok. Merci. Tu vois tout ça? C'est la Peuge. Ici, on mange, on dort et on crève Peugeot. Quand j'ai commencé, ils m'ont mis sur la ligne de montage carrosserie. J'ai monté SH de 504. Maintenant, je suis à l'emboutissage. Et mon père, lui, il a fini chef d'atelier. Quand ils m'ont viré du club, j'ai cru que j'allais trouver ailleurs. En fait, je me suis vite rendu compte que les clubs, ils se passent le mot. J'ai tellement foutu le bordel à Sochaux que j'étais grillé, quoi. J'ai pas 20 ans sans diplôme, pas de qualification. Moi, j'ai fait comme papa. En même temps, j'ai pas un plein, hein, c'est moi qui ai merdé. J'ai envoyé chier tout le monde, même les gens qui voulaient du bien. Le foot pour durer, il faut être bien câblé, bien dans ses pompes. C'est pas le talent qui fait la différence. À ton âge, j'étais largement aussi doué que toi. Le combat, il est là. Oh, vous êtes bien battu pour en arriver là! Elle n'a pas fait tout ça pour rien, oui ou non? Alors maintenant, cette finale, on va l'arracher. Parce qu'il n'y a que les victoires qui restent dans les mémoires, le reste, c'est de la littérature. Moi, je suis prêt à aller à la guerre avec vous. On a des qualités, on peut les emmerder. On a deux bons frappeurs, on en profite. Sur tous les coups de pied arrêtés, on y est. Et on donne tout ce qu'on a, on ne calcule pas. Mais si on donne tout, ce n'est pas pour soi. On joue ensemble. On joue pour l'équipe. Hein, Mitri, Anthony? On construit. On a commencé une belle aventure, maintenant on va l'amener au bout. Et surtout, restez vous-même. Puis profitez, c'est un beau jour. Allez en piste. Occupez l'espace. Attention, on n'est pas en place. On revient. Allez, Dina, on y va! Offrez des solutions! On écarte! Jouez simple, Michael! Simon! C'est bien, Anthony! Serge, ils sont où les détecteurs? T'occupes, joue. Continue comme ça, c'est bien. Serge!
Et ils sont pas venus? Non. C'était bien. C'est bizarre? Non, c'est pas bizarre. C'est précisément parce que c'est moi qui suis en finale qu'ils sont pas venus. Ils se foutent vraiment de ma gueule, ces connards. Tu sais quoi, je vais aller les voir, moi. Mitri, on y va. Tu sais que j'étais en finale cette année? Oui, je sais, oui, j'ai lu ça dans la presse, ouais. Comment ça se fait que t'as envoyé personne? Écoute, tu sais très bien que c'est une compétition qu'on suit pas régulièrement, voilà. Mais non, mais si on est monté en finale cette année, c'est pas par miracle. C'est parce que j'ai un joueur. Un gars qui devrait jouer chez vous, pas chez moi. C'est qui? Lui? Mm-hmm. Ouais, ben écoute, faudrait qu'on le voie. En tout cas, cette année, c'est râpé. Tu sais très bien qu'on recrute pas en cours de saison, donc on le verra l'année prochaine. Si vous êtes encore en finale, pourquoi pas? Ouais, c'est sûr. Je suis juste un petit entraîneur de merde dans un petit club de merde. Ah, arrête, hein. On n'est pas le grand FC Sochaux Montbéliard. Serge, c'est bon, allez. Bon, écoute, Serge. Serge, merci d'être venu. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas. Allez, au revoir tout le monde. Où tu vas? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, tu viens, sors de là! Qu'est-ce qu'il fait là, tu vois? Mais lui, tu joues! Oh, je te parle! Sors-moi de là, toi! Sors-moi de là, je te dis! Sors-le-moi! Rentre dans le jeu, vas-y! Regarde le chasseur! C'est ma grand-mère. Je ne peux pas lui annoncer la bonne nouvelle. Écoute. T'as perdu ta grand-mère, c'est dur, je sais. Mais c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant toi. Tu vas te faire plein de copains. Les coachs vont te chouchouter. Ça remplace pas une grand-mère, mais c'est quelque chose, non? Serge,
si je pourrais retourner chez toi. Écoute-moi, Mitri. Quand les parents viendront pour tes copains le vendredi soir, c'est moi qui viendrai te chercher. Et les bulletins de notes, c'est chez moi qu'ils arriveront. Et les coups de pied au cul, c'est moi qui les donnerai. Ça va comme ça? D'accord. Come on, 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 come on
Moi, tu ne m'en vois pas.